Tous les malades que Jésus guérit sont comme des symboles, des mots profonds, des hommes. Les hommes sont aveugles et sourds. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas ce qu'ils devraient voir et entendre. Les hommes sont muets, ils bavardent, mais ils ne savent pas dire les paroles qu'il faudrait dire. Les hommes sont paralysés par la peur, l'angoisse. Les hommes sont comme possédés, ils désirent faire le bien, mais c'est le mal qu'ils font. Marc 7, 31-37, 8, 22-26, Matthieu 15, 29-31, Jean 5, 1-15. Jésus montre que la première volonté de Dieu est que les hommes soient guéris, qu'ils aient les yeux et les oreilles ouverts, qu'ils aient une parole libre et vraie, qu'ils se tiennent debout, qu'ils sortent de l'humiliation, qu'ils reprennent leur place au milieu des autres, comme les lépreux guéris, qu'ils retrouvent l'amour, la santé, la vie. Luc 7, 18, 22, Luc 4, 14, 21.